Ordre numéro 2222. C'est bien ce que je pense. Dit 33, numéro 2001. 33, 2222. 34 à l'échelle du Grand Mésique. Vous émettre de taux anormal de mauvaise zone, numéro 2001. Vous savoir ce qui vous attend. Jamais je ne retournerai au cerveau recyclage. N'aggravez pas votre cas, 2001. Non. Halt! Halt! Par le grand zond ordinateur, cet individu est le véritable bombe zondo actif vivant. Parfait, numéro 2222. Vous pouvoir disposer. Étranger être le grand ami du Bouzoukistan et invité personnel de notre grand zond ordinateur, généralissime Kiskis Mesik. Vous être le très très bienvenu au Bouzoukistan, professeur. Et tout de suite, le premier candidat de notre jeu, chantez papy. Smith, pourrais pas baisser un peu le son? Toujours à la une de l'actualité du Attends. Cinéma, le dossier des mystérieuses perturbations hertziennes en Europe et en Asie. Les savants du monde entier s'interrogent de la magnétosphère ou d'une civilisation extraterrestre. Non, de non, ça recommence. Qui tente de prendre contact avec... Pas la peine d'insister, Spip. Tu sais bien. On finirait par y croire aux extraterrestres. Je me demande si Fantasio aura trouvé quelque chose. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Maria Cattara. Mais non, on peut même plus écouter la radio tranquille. Ça commence à devenir énervant, cette histoire. Mais monsieur le maire, je vous assure que monsieur le comte n'est pour rien dans cette affaire. Je vous le répète, il est en mission mycologique dans la jungle palombienne. Précisément. Sachez, jeune homme, que je ne suis pas sans connaître les occultes pouvoirs sataniques de la télépathie. Mais qu'on se le dise, je ne laisserai pas longtemps un vieux maniaque télépathe futile mycologue saboter les paisibles veillées télévisées de notre chère bonne vieille ville de Champignac. Bien parlé, monsieur le maire. Mmh. Je suis sûr que le comte était béché. Je veux dire de mèche avec les extraterrestres. Je sens les mauvaises ondes de l'anarchie ramper sournoisement dans l'enceinte de ce château maudit. Alors, Spirou, t'as trouvé quelque chose? Tu parles. J'ai potassé tout ce que j'avais sous la main, mais rien. Le poteau noir, Fantasio. Eh bien, moi, je crois que j'ai une piste. Tu sais où on a signalé pour la dernière fois ces fichus brouillages herziens? Dans les Highlands, en Écosse. Dans les Highlands? C'est là que vit l'ami du comte, le professeur McIntosh, est l'un des meilleurs experts mondiaux en radioélectricité. Exact. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'il va falloir convaincre Spip à sortir de sa pantoufle. Hermessy vous souhaite un excellent vol. La compagnie Hermessy vous prie de l'excuser. La jeunesse, c'est bien connu. Hé, c'est ouvert. La traditionnelle hospitalité des fantômes écossais. Non, je t'en prie, après toi. Professeur McIntosh? Professeur McIntosh, vous êtes là? Professeur McIntosh, vous êtes là? Professeur McIntosh? On dirait qu'on s'est battu ici. Oui, et si ce sont des fantômes, ce serait plutôt le genre esprit frappeur. Ce n'est qu'une cornemuse. Nous voilà avec un mystère de plus sur les bras. Expérience numéro 26, le 16 décembre, aujourd'hui... Professeur McIntosh. Je vais tenter d'interférer une image sur le récepteur de Ghost Town. Le 16 décembre, cet enregistrement date de plus de 6 mois. Un village situé à une trentaine de kilomètres de mon laboratoire. Bonjour, professeur McIntosh. Vous, qui vous a permis... Votre vénéré grand zond ordinateur et généralissime Kiss Kiss Music... a décidé d'inviter vous au Bouzoukistan. Tonnerre, mais qu'est-ce que c'est que ces zombies? Vous, plus confortable pour travailler là-bas. C'est hors de question. J'ai déjà dit que je refuse de collaborer au projet insensé de votre dictateur. Grand malheur, professeur McIntosh. Toujours sous emprise de mauvaises ondes. Petite sieste, allongez ça. Non, jamais. Kidnappé? McIntosh a été kidnappé. Tu crois qu'il y a un lien avec les brouillages hertziens? Une chose est sûre. La réponse est au Bouzoukistan.
Tu sais ce qu'on raconte là-dedans, sur le Bouche-Kouzoukstan? Depuis la prise de pouvoir par le dictateur Kiskismézig, même un courant d'air n'a pas pu franchir la frontière. Eh bien, il faudra être plus discret qu'un courant d'air. Ben voyons. C'est facile. On se déguise en martien, on se plante une antenne sur le crâne et hop, ni vu ni connu. Eh mon vieux Spip, il y a des moments où j'aimerais bien être un écureuil. Nous survolons actuellement la mer Caspienne. Nous allons bientôt amorcer notre descente. Sûr, t'es pas d'ici. Oh non, ça va pas recommencer. Capitaine du Bouche-Kouzoukstan. Et déjà, je rêvais d'une balade au clair de lune sur la mer Caspienne, alors. Parfait, mes amis, vous arrivez. Hein? T'as beaucoup costaud, vous nagez comme poisson dans l'eau. Mais vous deviez nous emmener jusqu'au Bouche-Kouzoukstan. Vous y êtes. Ici, limite des eaux territoriales entre Bouboulstan et Bouche-Kouzoukstan. Vous arrivez. Non, de non. Il se fiche de... T'énerve pas, Spirou, je m'en occupe. Vous allez nous emmener jusqu'à la côte où je coule votre coquille de noix. Ça n'a pas allé là-dedans. Jamais entendu parler Villepo. Détecteur de mauvaises ondes, cerveau recyclage. Si vous aimez, vous nagez. Mille babouchkas, les Villepo. Trois pieds. Voilà, voilà. Petits ennuis moteurs maintenant réparés. Moi, admirateur Grand Mésique, moi vouloir rejoindre Bouche-Kouzoukstan. Grand Mésique, pas vouloir admirateur avec mauvaises ondes. Ça va? Rien à signaler? C'est bon, toi partir, jamais revenir. Merci, Excellence, merci infiniment. Toi contaminé par la mauvaise zone numéro 2260. Toi contaminé numéro 2250. J'espère que ça va marcher. Par le grand midi, comme entrée discrète, ça commence plutôt bien. Un système de radar, mais le passage n'a pas l'air si difficile que ça. Nous allons bien voir. C'est une passoire, cette frontière. Oh, tenez. On est fait comme des rats. Pas encore. Tâchons d'atteindre le bois. Un écureuil. Demain, tu dois passer au cerveau recyclage. Mon vieux Spip, je me demande comment on se débrouillerait sans toi. Formidable, cette ration de survie. Un peu indigeste pour le petit déjeuner, c'est tout. Allons, Fantasio. Qui va là? La capitale, Bouchken, se trouve à une centaine de kilomètres, au nord-nord-est. Une paille. Et je suppose que Monsieur Spirou a un plan imparable pour que deux types et un écureuil renversent une dictature protégée par une armée de zombies à antennes. L'improvisation nous a toujours réussi, non? L'improvisation? Non, c'est bien sûr. Je n'ai qu'à faire quelques pas, pousser ces branchages et je vais forcément tomber sur... Spirou, bien voir. Qu'est-ce que je te disais? Voilà ce qu'il nous faut. Allons-y. Primo, ces zombies ne résistent pas à un bon coup de gourdin. Et deuxio, ils ont tout du voyant extralucide. Elles sont bizarres, ces lunettes. Bon, enfin, j'y vois, c'est l'essentiel. Ça va comme ça, Fantasio. Nous avons assez perdu de temps. Ah, c'est incroyable. Ces types ne voient pas et n'entendent pas comme nous. Ouais. On dirait qu'ils sont équipés d'une sorte de sonar, comme les chauves-souris. Brrr, ce pays me fait froid dans le dos. Plus vite, on en sortira. Mais avant, il faut retrouver McIntosh. Un barrage. Ah là, on continue à improviser, je présume. Tout juste. Contrôle. Deux dangereux terroristes franchirent frontière cette nuit. Toi, rien voir sur la route? Toi, émettre toi normal de mauvaise onde, 3317. Cerveau recyclage. Toi, pas parler. Toi, muet. Rage de dents. Pas de chance pour infirmier. Pourquoi toi rire?
rire être strictement interdit. Infirmier malade. Lui rage dedans. Infirmier malade. Velpeau malade. Numéro 2215, avoir crise de rire de mauvaise onde. Lui furieux après ça. Toi, passez vite. Motard t'escorter. Moi? Hein? Route peut-être dangereuse avec terroriste. Un malheureux candidat au cerveau recyclage, on dirait. Oh, oh. Chauffard! Toi, quelque chose à dire, numéro 2001? Moi? Pas du tout, numéro 2288. Toi, mentir, numéro 2001. Exact, numéro 2288. Oh! Ah. Ça fait un moment que ça me démangeait. Pour toi, numéro 2001. Ça va très mal finir pour toi, numéro 2001. Tu dois être bon pour faire vos recyclages maximum. Par le grand Mésique, ça va être le cas grave. Putain, je ne vais pas te faire remarquer, hein, Spip. Je proteste. C'est une erreur judiciaire. Oh. Ah. Tonnerre de tonnerre, ça va pas se passer comme ça. C'est vous le directeur de cet établissement? J'exige des excuses. Je suis le professeur McIntosh, invité personnel du grand Kiss Kiss Mézig, et... C'est ça, et moi être le grand Mézig, numéro 3349. Vous calmez ce dangereux rebelle. Oh. Hé, hey, mais qu'est-ce que... Fantasio, ça va? Pas de problème, je vois des oiseaux, des étoiles et des séraphins. Oh, c'est beau le Bouche-Kouzoukstan. Prêt? Numéro 3377? Ah, encore numéro 2001. Oh. Lui, sujet exceptionnellement réfractaire au cerveau recyclage. Test 1, mesure du taux global de mauvaise onde. Test 2, résistance au rire. Test 3, aptitude au sacrifice patriotique. Test 4, soumission aux grands ondes d'ordinateurs. Ça pas bon. Ça pas bon du tout. Cerveau recyclage puissance 7. Pour le grand médic, pipi pour... Cerveau recyclage réussi. Le sujet est redevenu parfaitement haute fidélité. Parfait. Sujet suivant. Fantasio, non, je ne peux pas laisser faire ça. Test 1, mesure du taux global de mauvaise onde. C'est marrant ici. Ça n'a pas bon du tout. Test 2, résistance au rire. Ça va être une névrose zygomatique, ça très grave. Test 3, aptitude au sacrifice patriotique. Aptitude négative, ça va très très grave. Test 4, soumission aux grands ondes d'ordinateur. Esprit de rébellion obsessionnel, cas unique, gravité maximale. Ça exige un traitement d'urgence. Cerveau recyclage maximum. Hé, hey, Spip! Oui, par le grand Mézig. Comment arrêter tout ce bazar? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il semble que tu sois réfractaire au cerveau recyclage, mon vieux. Ah! Peut-être pas à autre traitement. Ah!
vous les deux zombies, vous tombez bien. J'ai justement deux mots à vous dire. Pas bouger. Je vous ordonne de me conduire auprès du grand Mézig. J'ai une importante révélation à lui faire. Je suis le vrai professeur McIntosh. L'autre est un imposteur. De quoi s'agit-il, la sauce ? 007 vouloir parler, vous, grand ordinateur, confidentiellement. Excellent, numéro 007, amenez-les. Quelque chose contrariez-vous, grand Mézig ? Non, non, mon cher Lobotomie. Une simple énigme, une intéressante petite énigme. Eh bien, professeur McIntosh, où en êtes-vous de votre opération Majordome ? Tout va bien, je viens de terminer la dernière mise au point. Parfait, oui, excellent. Enfin, bonne nouvelle, mais vous avoir été très, très lent, professeur McIntosh. J'ai été très mal secondé. Votre cher Laszlo Botomy est un incapable. Attention, professeur McIntosh, vous avez jusqu'ici échappé au cerveau recyclage, mais... Calmez-vous, mon cher Laszlo. Et vous, professeur McIntosh, vous mesurez vos paroles. Vous êtes grand spécialiste en machines. Mon ami Laszlo Botomy est plutôt spécialiste en machines humaines. Vous faites pour vous compléter. Jamais, vous m'entendez? Oh. Jamais! Vous jamais recommencez, professeur McIntosh. Vous jamais approchez-moi. Moi, pas supporter vos mauvaises ondes. Ah, mais voici le visiteur que j'attendais. Professeur McIntosh, je vous présente le professeur McIntosh. Que? Qu'est-ce que c'est? Professeur McIntosh, vous êtes sain et sauf. Pierrot, Fantasio, vous célèbre journaliste, n'est-ce pas? Journaliste, en effet. Et vous allez nous laisser partir avec le professeur McIntosh, ou alors... Mais qu'est-ce qu'il a? Le grand Kiss-Kiss Mézig ne supporte pas les mauvaises ondes, une obsession très particulière. Vos pilules, grand Mézig. Oui, mes petites pilules. Vous jamais approchez-moi, compris? Moi, pas supporter vos mauvaises ondes. Maintenant, ça suffit. Professeur McIntosh, déclenchez l'opération Majordome. Je refuse. Cela serait très, très fâcheux pour vos deux amis, professeur McIntosh. Alors, c'est vous qui l'aurez voulu. Les mauvaises ondes. Hélas, jusqu'ici, mauvaises ondes dominaient l'univers. Vous sans doute constatez, mon pays et ses habitants être déjà purifiés des mauvaises ondes intérieures grâce au cerveau recyclage. Mais il reste les mauvaises ondes extérieures, les radios, les télévisions étrangères. Vous regardez bientôt, mangeur d'ondes, éliminer toutes ces mauvaises ondes. Bientôt, peuple Pushkin sous influence unique de bonnes ondes. Ce type est complètement piqué. Et c'est rien de le dire. Exécution, professeur McIntosh. Pourvu que ça marche. Mieux vaut ne pas traîner ici. J'ignore quelles conséquences peut avoir mon petit bricolage. Mais t'es sûr? Vous trahir, professeur McIntosh. Vous et vos amis payez ça. Oh oh, allez, vite. Ah, dommage, ça commençait à devenir amusant. Arrêtez! Là-bas, l'hélicoptère. Tu sais manœuvrer ce genre d'engin, toi? Eh bien, t'improviseras, mon vieux, t'improviseras. Sans regret.
comprends rien. J'ai beau faire, je n'arrive pas à stabiliser ce fichu engin. Ah, il se pourrait, hélas, que la cause en soit mon modeste bricolage, Spirou. Tonnerre. Pour de l'improvisation, c'est de l'improvisation. Oh, oh, oh. D'onde a fondu en guimauve. Oh, j'ai réussi. En toute modestie, c'est bien ce que j'espérais. Je pense que beaucoup de choses vont changer au Bouche-Kouzoukistan. La prochaine fois, c'est moi qui m'occuperai de l'improvisation. Mais